Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Romano, on est là pour la suite de Inazuma Eleven Go Galaxy Supernova. Donc on a récupéré Trina dans l'épisode précédent, mais on a fait aussi un match amical et on avait fini on avait fait 4 défis que j'avais pas fait en trouvant des coffres. Donc c'était la vidéo chill et là on va passer à la suite de l'histoire. Les choses sérieuses commencent. Allez, j'ai tout fait, sauvegarder tout ça. Avant ça, hop. C'est quoi ça déjà? Des chaussures. Ouais, vraiment un stade pourri. Tena, tu es enfin revenu! J'étais si inquiète. Je suis désolé. C'est bon. Quel soulagement. Bon, reprenons l'entraînement alors. Allons-y, Trina. Dis Trina. Comme elle s'est barrée en courant. J'ai foiré. Cette nuit. Hein? Zippy, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu racontes? Kenan. Kellan, pardon. J'ai découvert quelque chose d'intéressant en regardant les matchs des Tigres de Thaïlande. Ce n'est encore qu'une hypothèse, mais regarde les données des joueurs. Voici les données de l'attaquant des Tigres avant le début du tournoi. Et maintenant, voyons ces données après le début du tournoi. Vitesse, passe, tir, il s'est beaucoup amélioré depuis le début du tournoi. C'est presque comme si c'était une autre personne. Ce n'est pas seulement lui. Tous les autres joueurs se sont brusquement améliorés. Tu as raison, c'est anormal. Le pire, c'est que ce phénomène s'est produit avec toutes les autres équipes que nous avons affrontées. Pardon? Peut-être que nous venons de trouver quelque chose de vraiment incroyable. En effet. L'équipe Zeus est de retour. Avec la Red Bull et le Monster et les Oli. Enfin, j'ai dit plusieurs marques au cas où. Voilà. L'autre qui était là, qui est couteau porte. Les joueurs ont remarqué qu'il y avait des anomalies dans le tournoi. Que comptez-vous faire? Point. Le jour du match. Tout le monde, notre match contre les Tigres de Thaïlande est aujourd'hui. Là, cette fois, vous avez vu. Thaïlande n'a pas été créé avec le i truc. Et là, il est écrit mais comme il faut. Ouais, c'est ça. Je sais que ça a été une galère à traduire. Hein. Donc, au niveau des caractères, je me moque pas trop. Mais c'est vrai que... Voilà, je sais pas si ça veut dire que c'est pas les mêmes personnes qui ont traduit ce passage-là. Je sais pas, mais voilà. Donnons-nous à fond. Nous nous sommes vraiment entraînés dur dans la chambre noire. On peut y arriver, n'est-ce pas? Ouais. Si vous surestimez, vous ferez des erreurs. Quoi? Le rabat-joie habituel, évidemment. Eh bien, allons d'abord à la gare pour nous rendre au stade. Trina. Je crois qu'elle le kiffe, en vrai. Trina a l'air plutôt anxieuse, non? Ça doit être parce que Buddy a dit qu'elle était agaçante. Il a dit agachiante. Pas pareil. Il n'a aucun tact. Ouais. Je dois arranger ça d'une manière ou d'une autre. Trina est déjà partie. Ah! Buddy, rendons-nous au stade pour l'instant. On dirait que Arion, il va lui déchirer la tronche. Oh, regardez comme il le regarde mal. Ouais. Un choix entre deux trucs. Allez, on va passer en bas. La la la.
On va acheter un truc pour en dépéter les 30. On a pas beaucoup, mais comme on en prend 2-3 par match, on va pas trop en prendre non plus. Ah mais 30, mais c'est mieux avoir 60, je suis bête. Bon, c'est pas grave. Ah, ça va. Bon. On y va. Allons au stade de la route du sacre. Ah, ce nom. La même chose. On prend 3 comme ça aussi. Voilà. Même si on peut pas en faire plus de 3, évidemment, en match, ça fait... Si on oublie, on aura de quoi faire. Papa, allons-y, le match commence. Ah ah, nous devons aller les encourager. Ton père ne vient pas te regarder jouer? Hein? N'est-ce pas le père dont tu es si fier? Il ne viendra pas te voir. Et toi, Ziggy? Ils ne viendront pas ici juste pour me surveiller. La. Ok, donc là, vu qu'on y est, on va sûrement faire le match juste après. On va faire une petite sauvegarde. Ici, voilà. Et c'est parti. Nous y sommes, la demi-finale des qualifications du FF... Final Frontière 1v2 va commencer. Le match d'aujourd'hui opposera Inazuma Japon au Tigre de Thaïlande. Allez Falco! Le dernier match est conclu sous un score de 5-0 en faveur des Tigres contre les Lions du Désert. Et aujourd'hui, les Tigres ont une progression remarquable depuis le début du tournoi. Inazuma Japon a également su nous montrer sa combativité tout au long de celui-ci. Vivement le début du match, les deux équipes sont en train de faire leurs derniers préparatifs. J'espère que vous appréciez mon doublage, évidemment. Meilleur doublage à faire. Pas du tout. Parlez à Funaki. Quand vous serez prêt, bah, let's go. Hein. On va attendre une plombe déjà qu'on va avoir tout le scénarium qui va nous ralentir. Finalement, ce sont les demi-finales. À partir de ce match, une des meilleures équipes en Asie iront dans les phases finales ou en finale. Je ne sais pas quel entraînement vous, toi et les autres avons fait dans la chambre noire, mais faites de votre mieux. Oui, oui, oui. J'ai recruté personne, donc ils sont là, vous inquiétez pas. N'ayez pas peur. C'est ce que je voulais faire du tout. Pas ça non plus. Pas ça. Et si on peut pas... On peut pas. Peu importe. Oui, j'ai compris. Ok. Je vais le tuer. Tout ton truc. Bon, on va pas changer l'équipe. L'essentiel, c'est de voir surtout l'équipe en face. Voir comment jouer en attaque. Ah, Inazuma Japon, je ne peux pas croire que vous ayez réussi à venir jusqu'ici. Hein? La dame, il s'appelle. La monsieur? Rira bien qui rira le dernier. On ne perdra pas. C'est parti, les amis! Préparius sur Stylus. Et évidemment, un nouveau sort dans Harry Potter. Oh, Saranyu! Parlons-en de Saranyu! Parlons-en. Alors, bon, moi ce que je veux savoir, c'est le gardien. Alors, s'il est terre, ça m'embête. S'il est pas terre, que Falco soit pas efficace, je m'en fous. Il est... Ok, parfait. Les deux vont pouvoir faire des tirs dessus. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a Kim Shui.
Wapan, la dame, Thierry Lignac, Lame, Shaba, ok. Savannah, bon ça c'est pour ceux qui jouent à Simon's Wars. Chapati. Il n'y a pas un mec qui a dans une émission politique. Il s'appelle un peu comme ça, Apathy tout simplement. Sago, Ja, Teparo, Tepacro, ok, Tepacro. Ouais, ok. Bon, ben, let's go, on y va. On n'a pas trop de problèmes. Défensivement, il y a le Jack qui peut me poser problème. On va essayer, au niveau, pour, par rapport à mon gardien qui est type R, donc on va essayer de pas trop le faire s'approcher des cages. Hein. Bien, le coup d'envoi du match entre Inazuma Japon et les Tigres de Thaïlande va bientôt commencer. Inazuma Japon est déjà dans le rond central. Je suis nerveux. On dirait que le match est sur le point de commencer. Oui. Zippy, j'espère que tu ne te blesseras pas. Par le pouvoir du scénarium, rends le ballon à l'adversaire. Alors que tu as la balle. Voilà. Faisons-le. Achou. Qu'est-ce qu'ils font? Lame de faux. Alors je reconnais la technique de Krilin qui consiste à couper les gens. L'arbitre doit s'y faire faute. Là, désolé. Kenzan, ils nous ont fait un Kenzan à deux. Pas bon. Vas-y, Tamugan. Est-ce qu'il est en... Ah, j'ai cru que... Est-ce qu'il est en mode de surpuissant? Ils arrivent. Je dois défendre. Et au milieu, dégage. Achou. Fauchage mortel. Oh, voilà. Allez, un autre Kenzan. On coupe des jambes. L'arbitre qui dit rien. Trina. En ça, je tire. Non mais sérieux, montre-moi la technique de tir. Non, ça va, il arrête. Ouf. Prendre un but comme ça, c'est dommage. Et tire essaye de contre-attaquer. Oui, dans cette situation où l'attaque et la défense changent en un instant, l'erreur de cette dernière est fatale. Après tout, je suis... Trina. Il est où celui qui a attaqué? Il est plus là d'un coup. Bim, bien loin. Tac touc, boum. Bam. Non, il fait trop loin. Pas grave, on tire quand même. Et vu qu'on est un peu loin, on va faire la technique de l'envol des ténèbres. 202, je lui ai mis. Bon, ça a baissé un peu, mais... Alors, arrêt du coude, ok. Normalement, il n'arrête pas. Ah, j'ai cru qu'il arrêtait. Oh, par contre, il a une bonne défense. Enfin... Il a un bel arrêt, hein, un bon arrêt. Je suis étonné de voir le pourcentage, enfin la puissance qu'il avait. J'ai pas regardé quel niveau ils avaient en moyenne d'ailleurs. Pas fait gaffe. Donc voilà, on va quasi remplir la barre. Elle est complète, ok, c'est bon. Ce ballon est à moi, achou. Hein, c'est moi qui avais la balle, où il est où? Trina, à la défense! Je ne peux pas, c'est impossible! Oh. Il a réussi, ok, parfait. Oh non, la défense d'Inazuma Japon est perturbée! Oui, la réaction de Trina était un peu lente. Espérons qu'elle pourra suivre. C'est de ma faute. Je pense que tout le monde me déteste. Tout le monde me déteste. Trina... Capitaine, je veux aider Trina. Hein? J'ai dit des choses sensibles pour elle. Elle a eu peur et s'est enfuie. C'est pour ça que je veux faire quelque chose. Je le pense du fond du cœur. Merci aux 9 personnes qui sont là. Buddy, je vois. J'ai quelque chose à lui dire. J'ai essayé plusieurs fois de lui dire, mais elle s'enfuit. Ah, du japonais. Il y a une touche à faire, il y a un match à se faire. T'as dit ça dans le monologue, j'ai cru que Buddy était devenu streamer. Alors en plus, dans Inazuma Eleven, il risque très peu de fois d'avoir 9 spectateurs dans le stade en plus. Morimura Kuroha.
qui ne va durer, hein? Voilà, ça, incroyable. Je veux dire, qui pensait qu'il allait lui dire ça? En vrai. Le mec, il s'est mis en Goku SJ 3 face à elle pour lui dire « Je veux sortir avec toi. » Super. Oh, elle est toute rouge, trop mignonne. Ton visage est doux et mignon, je pense que tu es aussi très gentil. Oh, c'est trop mignon. Ah oh, purée, tu sais qu'elle t'a pas dit oui pour le rencard, hein. Le mec, ça y est, il s'est mis tout de suite qu'il allait avoir un rencard, quoi. Je viens voir que j'ai un petit problème de sur l'écran du bas, mais on va faire avec pour ce... C'est tout ce que j'avais à dire. Le mec, il s'est mis en Super Saiyan 3 pour ça. Ici, il y a quelqu'un qui m'aime vraiment. Petit ami ? Alors, je peux pas t'expliquer le principe, Arion. Sky, c'est ce qu'elle aimerait. Mais bon, tu comprends rien. T'es quand même un peu Mark Evans. T'es un peu débile à ce niveau-là. Donc, Buddy se souciait de Trina parce qu'il était amoureux d'elle. C'est pour ça que les émotions des gens sont intéressantes. Quand tu ne peux pas voir tes bons points, parfois d'autres le peuvent pour toi. Bien, le match redémarre avec une remise en jeu des tigres. Bon, bah là, on va évidemment pas hésiter à faire ça. Start. Ah, il va vers le bas. L'info. Oh. Hein? Hein? Il s'est passé quoi? Il y a eu faute? Mais que... Mais quoi, il y a eu faute? Alors je prends, hein. C'est-à-dire que là-bas... Mais il a fait faute en faisant une touche? Je veux la VAR, je veux la VAR. Mais c'est quoi ça? Mais j'en ai... Ça arrive qu'à moi, c'est dinguerie à chaque fois. La VAR, elle est là, mais j'ai pas... Enfin, elle est là, il faut que je regarde la vidéo. Mais là, c'est incompréhensible. Il a même pas le temps de faire la touche qu'il y a eu faute. Oh là 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 là, ce jeu... Enfin, ces genres de jeux... Non, quel con. Ok, ça va, ça va, ça va. J'ai appuyé. C'est dégueulasse, j'ai appuyé. Ah, en plus, moi je suis décontenancé maintenant. Et plus qu'est-ce que je fais? Non. Tiens! Qu'est-ce qu'il y a? Bon, je sais pas ce que ça a donné à la fin, mais. On va voir. Non, mais c'est une blague. Mais le jeu il se fout de ma gueule. Il me met sur un adversaire. Y'a rien qui va dans le jeu. Là, absolument, y'a rien qui va. Je sais pas quoi faire face à ça. Oh, y'a un souci là. Ce match. Y'a rien qui va. Y'a rien qui va. Ça me va, hein, ça m'arrange. Bim. Et. Bam. Par-dessus. Regardez-moi ça. On va évidemment faire un autre envol des ténèbres. Le jeu il m'a donné la balle là, deux fois, sur la faute que j'ai pas compris, et sur une touche alors qu'il y a aucun danger pour eux. Alors est-ce que cette fois il va l'arrêter? Mais cette fois je fais plus de... Ok, ça passe quand même. Mais il a... Et pourtant j'ai un boost et tout sur ma technique, il a... Le gardien il a des... on va dire une bonne stat en tout cas. Laissez-moi faire. Acho. Lame de faux, coupon des jambes, encore une fois. Bim, bam, boum, voilà. Déclarer sa flamme en plein match. Je vais te montrer qu'on n'est pas ici pour rigoler. Quoi? Ne viens pas ici. Kena, tu peux l'arrêter. Je suis sûr que tu peux. Crois en ta force. Croire en ma force? Je peux le faire? Pousse-toi, tu ne peux pas m'arrêter.
Hein? Je peux voir les mouvements de l'adversaire. Je peux bouger. Oh, ça c'est bien que tu peux bouger, Alboss, quand même. Je vais l'arrêter. Tacle de la mort, faute. Boule de feuille. la technique est rigolote. Par contre, comment... il faudrait un ralenti pour voir si elle prend pas avec les mains, en fait. Je l'ai fait. Belle défense, Trina. Jolie fleur... non, la belle plante, là. Je sais plus comment on dit. Ah, là, ouais, la petite boule de feuille. Donc, c'est cette technique-là qui est son technique personnelle. Bien, continuons sur notre lancée et menons une contre-attaque. Il est rapide, il se fera pas rattraper. Donc il a plus de technique, moi j'ai ça. Il a une bonne base de power, donc il va peut-être l'arrêter parce que bah. Ouf. On va voir. Il arrête, mais tant mieux pour lui. 149, c'est pas énorme. Alors que je suis dessus quoi. Voilà, est-ce qu'il envoie? Non, il envoie pas, ça va. Ok. Là, je crois qu'il peut plus faire de technique lui. Je vais revérifier un truc. Victor, il faut que je remette quelque chose. Et lui, 33, non, il peut plus. Let's go, il faut qu'il marque, hein. Après, pour le coup, là, l'histoire de la première est vraiment facile. Pas trop à se plaindre. Donc là, il a l'avantage. Ouais, il y avait l'avantage, logique. Bon, tu peux faire faute. L'arbitre, il a l'air de bien se débrouiller en ce moment. Il est toujours à droite, moi. Si le jeu, il veut gagner, il va toujours à droite et... Oh mince, non, ça va. J'ai toujours à droite, hein. Je change jamais mon... Oh! Hein? Oh, y a personne qui a sauté. Oh, c'est marché cette fois. Non! C'est pas ce que je voulais faire, j'en ai marre. À gauche cette fois. Oh! M'en fous, je l'aurai. Ah, regardez le temps qui restait. Je voulais faire un tir long avec avec mon ami. Et pas besoin. Pas besoin, on va pouvoir faire ça. Il a rien. Il n'a pas encore récupéré des points techniques. J'ai quasiment la même puissance que qu'avec Falco. Sachant que lui il a une bien meilleure attaque. Et il coûte beaucoup moins cher pour le coup. Et seul, hop. J'ai envie de faire ça. Aucune idée de ce qui va pas passer parce que la puissance va baisser énormément. Le temps d'arriver là-bas. Oh, il a un bloc. Bien joué. Dommage. 73, ça passe pas là. Je passe à 85. Ah, ça peut passer. Oh, de 1. Dommage. Dommage, j'ai raté mon coup. Attends, ouais, ils vont faire une technique. Non, peut-être pas. C'est pas grave. Bon, là, il y a juste à défendre normalement, perdre du temps. Ce serait bien qu'on puisse leur faire utiliser des techniques. Dommage. Ok. Bon, bah, ça se passe bien cette première mi-temps. Ça se passe plutôt bien. Tu ne penses pas que notre fils est incroyable? C'est quoi je ridicule? Ce ne sont pas tes parents? Papa, maman, pourquoi ils sont ici? Papa est venu pour voir le match? Papa, c'est mon dernier test de maths, c'est un score parfait cette fois encore. Quelle est cette solution? Tu aurais pu le faire en 5 minutes de moins si tu avais utilisé la méthode graphique.
Il ne suffit pas juste de donner la bonne réponse, de la résoudre de manière efficace. La clé, c'est la méthode. Je suis désolé. Papa. Zippy, est-ce que ça a à voir avec ton père ? Ce sont pas tes affaires. Oh ben genre, mais bravo ! Zippy, Callan, vous serez tous les deux essentiels durant la seconde mi-temps. Trouvez-là ensemble la clé de la victoire. La clé de la victoire. On est en train de gagner, mais bon, je... Bien, qui va se qualifier pour la finale ? Inazuma Japon ou les Tigres ? La seconde mi-temps va bientôt débuter ! Et non ! Zippy, bonne chance pour trouver la clé de la victoire. La trouverez et avant Zippy. Je relève le défi. D'où cette expression ? Je relève le défi en touchant les lunettes. C'est pas une référence, hein ? C'est scripté. La réponse est oui. Nous allons gagner. Acho ! Callan, Ziggy, ils arrivent. Dans quelle direction fera-t-il une passe ? Il faut voir sur quelle jambe il s'appuie avant de passer la balle. Est-ce qu'il va la passer ? Accélération au moment du saut. Non, l'angle du saut. À droite. Et voilà. Zut, je dois trouver plus rapidement, je dois le rattraper. Pourquoi Zippy est si impatient? Est-ce que parce que son père le regarde? Non, je me demande si Ziggy va bien. Ziggy. Ce mouvement, quand il touche sa cravate, ça veut dire. Ziggy, si mon raisonnement est correct, ton père. Arrête de parler de mon père. De toute façon, la première étape est de trouver la clé de la victoire. Concentrons-nous. Tu as raison. Est-ce qu'il est en surpuissance, le mec? Oui, il est en pouvoir, donc il faut... Voilà. On va puncher. À volonté, là-bas. Hop, frappe d'éléphant. Allez, hop. On se prend le tebu. But ! Les tigres marquent ! Quel but décisif ! Pourquoi ? Mes calculs étaient parfaits. Ziggy ! Quoi ? Tu te souviens de ce que tu m'as dit la dernière fois sur la façon dont les parents contrôlent leurs enfants suivant leurs attentes ? J'ai finalement compris le sens caché quand j'ai vu la façon dont tu te comportes depuis que tes parents sont là, peut-être. Je me demande si ne chercherais-tu pas seulement la reconnaissance de tes parents ? Ils semblent ne pas être d'accord, mais tu ne le détestes pas du tout. Tu détestes toi-même parce que tu ne peux pas atteindre les attentes de ton père. Sur quelle base dis-tu cela ? Allons, arrête de dire n'importe quoi. Mais je n'arrive pas à comprendre la raison. Tu ne comprends pas, hein. C'est toi qui as une bonne relation avec ton père. Il paraît que tu as une bonne relation avec ton père. Pourquoi ne pas en rester là? Alors, il y a eu une... Là, la traduction, elle a été vraiment un peu bizarre. Même si j'aimerais que mon père me voie, je ne peux pas. Parce qu'il est mort alors que j'étais encore petit. Alors, tu dis quoi maintenant, Ziggy, là? Hein? Bon, bien sûr qu'il s'entend bien avec son père, lui, parce qu'il est plus là, de toute façon. Il peut pas s'entendre mal, déjà. Par principe. Quoi? Il est décédé? T'as envie. Tout petit, je voulais devenir une personne comme mon père. Donc maintenant, on revient. Parlons de la maman. Voilà. Parlons-en tout de suite. Déjà, on a une rousse. Qui est... Bon, c'est vrai que au Japon... Mais des cheveux oranges, ils savent le faire. Mais, bon. Mais en plus, c'est pas comme la mère de Cerise, elle a l'air d'être gentille, elle. Voilà. Voilà. Ah, smash ou passe, c'est ça ? Smash ou passe ? Smash ou passe, la maman de Callan. Voilà. C'est incroyable, papa, tu as reçu un autre prix. Oui, cette fois, c'est incroyable. C'est le prix de surintendant général de la police. A cab. C'est un honneur pour un détective. Je n'entendais pas moins du meilleur inspecteur du monde. Papa, tu es du côté de la justice. Tu as raison, je ne permettrai pas qu'il y ait du mal, ni des injustices. Je vais devenir un grand détective comme toi, papa. Je résoudrai de nombreux cas comme toi. Je ne saurais jamais si je pouvais l'atteindre, ou même être meilleur que lui, parce qu'il n'est plus de ce monde. Mais tu es différent. Tu as ton père pour te voir et t'aider à grandir et à t'épanouir. Bon, mais pendant ce temps, ils ont mis 3 buts. Callan. J'ai du mal à croire que je pourrais grandir, même maintenant. Vais-je trouver la clé de la victoire ?
crois? Hein? Même si tu ne le crois pas, je sais qu'avec les compétences que vous avez tous les deux, vous trouverez la clé de la victoire. Capitaine. En plus, Ziggy, ton père ne regarde que toi depuis le début du match. Quoi? Quand il te regarde, il arrange tout le temps le nœud de sa cravate. Ziggy. C'est une preuve qui se fait du souci. Il semble qu'au final, ton père ne veuille que ton bonheur. Papa me regarde depuis tout ce temps. C'est vrai, montrons à ton père comment on joue au foot et gagnons ce match. Ah bah ça blablate, hein. Le goût du père mort, ça l'a séché l'autre. La barre de progression, voilà, classique. Grand classique. Je préfère ça plutôt que dans le Inazuma Eleven Go 1, là, où on te dit, rentre dans cette case, là. Mais... Merde. Mais... J'ai encore la balle? Sérieux? Encore la balle, j'y crois pas. J'ai perdu mon joueur. J'ai perdu mon joueur de vue et il était là en mode j'ai passé tout le monde. Il a passé clairement tout le monde, j'ai pas vu, mais. Oh, il a vu la VAR. Là, je peux pas faire la VAR par contre. La VAR était pas bien placée. Ok, bon, là, je marquerai pas. Je vais l'arrêter, c'est pas grave. Il aura plus de pété. Hein? Il a fail aid. Il a fail aid. C'est bien ça. Eh bien, il a fail aid. Voilà, on va laisser faire. Voilà, allez, un petit crit, une petite faute derrière, pas du tout. Hop là, on va laisser faire. Hop là, dommage. Avec lui maintenant, on va aller à gauche pour changer. Voilà. Bim, allez. Là, on dégage devant. À gauche. Hop, et face à technique, j'ai l'avantage. Il a fail aid. Hop là, on va pouvoir tirer. On va se faire un petit tir en rafale tranquille. Il va l'arrêter. Mais on n'est pas là. On est là pour faire du beau jeu. Eh ben, il n'arrête pas. Parfait. On va aller prendre. Elle est où la dame? La chevelue. On va lui faire utiliser sa technique, hein, elle a pour ça. Hein. Non, mais c'est vrai qu'on a fini. Je suis bête. Bim! Tu ne passeras pas! Ah! Tamugan! Je vais lui montrer que je peux trouver la solution pour gagner. Papa. Tu dois le résoudre de manière efficace. La clé, c'est la méthode. データ équation défensive. D'accord. Kellan, j'y vais. Ouf, comme il s'est fait déchirer. Copier-coller. Elle est rigolote cette technique. Elle est rigolote, la mienne. Copier-coller, j'aime bien. これが僕たちの勝利への解放です。
Ziggy a appris Émotion Intensive et Kellan a compris Copier-Colère. J'ai dit qu'il voulait marquer avec ça. Déjà, essaie de te pas faire arrêter par les personnes qui sont en face de toi. Peut-être que tu marqueras un but. Passe entre les deux. Dommage. Ah, par contre, j'ai bien les deux en ligne de mire. Pour l'avantage élémentaire. Ok, même s'ils m'ont fait une technique qui fait l'inverse. Hop. C'est pas grave. Ils ont fait l'aide. Et ça m'a aidé. Bah, let's go. Let's go pour le tir en rafale. On 9 et on passe à combien? En 3, logiquement elle n'arrête pas. Sauf si crit. Ouais. Je sais pas si vous êtes au courant de savoir s'il y a le taux de crit de base dans le jeu. C'est-à-dire sans avoir de talent crit. Je sais pas s'il y en a hein, dans cette version là. Mais sans talent crit, est-ce qu'il y a un crit de base genre 10%, 5% J'ai oublié de mettre quelqu'un d'autre en défense. On va laisser attaquer. Bah écoute, on a le temps. Je me rappelle plus. Ok, pas de soucis, pas de soucis. Ok. On va pouvoir faire le cerceau piégeant là. Et c'est en vrai c'est stylé, mais bon. Normalement ça devrait pas être autorisé d'avoir des objets magiques. Mais apprenez à contrôler les balles. Non, j'ai tiré. S'il vous plaît, arrêtez de faire ça. Apprenez à contrôler. Bon, c'est pas grave. De toute façon... Hop là, on va pouvoir faire un petit tir parcours. Que j'ai pas donné un objet pour rien, le pauvre. En plus, ça va dépendre des stats du joueur. Ok. Ok, ok. Je suis dans un match amical ou quoi? Bon, ben, on va essayer d'entraîner. Donc, madame, ici. On va espérer qu'elle va pouvoir aller dessus. Voilà, c'est bon, on va pouvoir faire notre boule de feuilles. J'ai failli, mais j'ai eu quand même. Voilà. Au cas où, je vais faire une sauvegarde, parce que des fois, ça peut prendre... Oups. Excusez-moi, sauvegarde, emplacement 7. Ok, on sait jamais. Donc, bah, les buteurs, hein. On peut pas aller voir tous les buteurs... Fini, ça? Il n'y a pas assez de place, mais non, j'avais le souvenir qu'on pouvait se déplacer. Et bah, c'est pas grave. Ah, ok. Ok. Bon, on y va. 8-1, lac. Personne n'a pris de quelque chose. On a pris de l'XP. Mario, instinct du tigre. Ok, une formation. Formation, ouais, c'est une formation ça. Et une super technique, je sais pas. Et gant tigre, je sais pas ce que ça vaut. On verra bien. Le match est terminé. C'est Inazuma Japon qui remporte la victoire. On l'a fait. Nous avons gagné. N'est pas vrai, nous étions censés gagner. Nous sommes qualifiés pour la finale. Il semble que je dois l'admettre, cette équipe peut gagner. Oui. Ah, ça c'était Arsène Wenger, ça. Ah. Thierry ? Pathétique. Nous devons faire en sorte que Ziggy arrête de jouer à ce sport inutile pour son avenir. Mais n'a-t-il pas travaillé dur ? Donc tu as trouvé la clé de la victoire. Ouais, Kellan.
Merci. Également. On l'a fait, Trina. Oui. Buddy. Ouais. Merci pour tes gentils sentiments. Mais je... Mais j'aime les filles. Attends, ah, je suis peut-être pas loin. Mais je suis désolé, je peux pas être ta petite amie. Quoi? Oh, bon, d'accord. Hein? Donc tu es heureuse, c'est tout ce qui m'importe. Buddy. Ouais, c'est le visage que je veux voir. Garde le sourire, Trina. Ah, c'est quoi son excuse? Alors, il s'est pris un râteau. On dirait bien. Buddy, ce type a de vrais tripes. Ah, ils m'ont surpris, les aveux de Buddy et les excuses de Trina. C'est juste trop soudain pour moi. Ah, c'est pas... C'est pas perdu. Oh, quand j'aurai plus confiance en moi, je ferai face aux sentiments de Buddy et... Ouais, c'est vrai. Et j'apprendrai à m'accepter. Parle à JP, il sait ce que ça fait d'être petite. N'hésite pas. Irazuma Japan. Oui. Irazuma 11 Go Galaxy Next Episode. Masaka kono chi. Ne pensais pas atteindre la finale avec cette équipe. Au moins tu peux nous prendre au sérieux maintenant. Au moins tu peux nous prendre. On dirait qu'on va avoir un match d'entraînement avant la finale. J'arrêterai tous leurs tirs. Pas si sûr. Oh, ouais, quand je vois qui est là. Ouh là là. Que des persos que les gens adorent que moi j'aime pas. C'est beau, hein. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Je veux toujours savoir pourquoi vous avez été choisi. Quelles sont les véritables intentions du coach? Je suis là, hein. Quelle est cette chose? Pas que je me trompe. Donc sauvegarder, oui. Oui. Ok. Donc on est bon. Tout ce qu'il faut, je sauvegarde. Aussi dans l'émulateur pour être tranquille. Et puis voilà. Donc voilà, on a fini ce chapitre. Par contre, c'est à plus un moment, on a fini le chapitre. Bref, c'est pas grave. Le chapitre 4, on l'a terminé. Donc... on pourra évidemment continuer la prochaine fois la suite évidemment des chapitres. Donc allez sur ce chapitre 5, les visiteurs. Évidemment je parle pas de clavier et de... Alors, comment il s'appelle? Jean Reno, hein, évidemment, c'est les visiteurs. Le nom du chapitre. Ça c'est une référence de vieux, donc je suis désolé pour ceux qui n'ont pas la référence de ce film. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires, mettre des pouces, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Venez sur le Discord, il y a des liens dans la description de toutes les chaînes qui existent de moi. Vous devrez trouver le lien si vous avez envie. Et puis voilà, je vous fais à tous de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour des nouvelles aventures sur Inazuma Eleven Go Galaxy Supernova. Ciao tout le monde.